A todos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública y derechos de la niñez en Haití. Me acompañan en la mesa. A côté de moi, sur le bureau, il y a Madame la vice-présidente Rosa Marie Ortiz, qui est aussi la, Madame le rapporteur pour Haïti. Et il y a aussi, elle est aussi rapporteure pour les droits des enfants, des filles et des adolescentes. Madame la commissaire Dina Schette, vice-présidente de la commission, et le secrétaire exécutif de la commission, maître Emilio Alvarez et Casse. Donc nous saluons la participation à cette réunion de l'éminent représentant d'Haïti, M. Edwin, est directeur juridique au sein du ministère des Affaires sociales et aussi représentant au sein du comité interministériel pour les droits de l'homme. Merci de votre présence, M. Edwin. Nous avons reçu un représentant des organisations qui ont demandé cette audience. Donc, je vais demander à M. Sikasa s'il peut nous faire une présentation du contenu de la communication que nous avons reçue. Je vous remercie, M. le Président. À 1h03 aujourd'hui, nous avons reçu une sollicitation d'audience. Cette communication sollicite aussi la commission de l'OEA de tenir cette audience au mois de mars de l'année prochaine. Il est inutile de vous dire que le secrétariat a cherché de valider, de confirmer la validité des participants, pour être, des requérants, pour être sûr qu'il s'agissait d'une organisation avec de l'expérience en la matière et avec l'expérience en matière de droits de l'homme. Et ces informations ont été corroborées par des instances du gouvernement d'Haïti ou alors ceux qui ont donné des informations directes, des personnes qui ont travaillé un moment ou un autre avec la Commission des droits de l'homme. Nous ne connaissons pas quelles sont les raisons pour lesquelles les requérants et demandeurs de cette audience ont demandé aussi de la reporter. Merci, Monsieur le secrétaire, de cette information. Nous regrettons le fait que cette partie n'est pas présente au cours de cette audience publique. Je parle bien sûr des requérants. L'objectif de cette audience, d'après leur sollicitation, était d'informer la situation interaméricaine sur la sécurité citoyenne en Haïti et dans quelle mesure ce manque de sécurité et la violence armée, notamment, affecte le droit des enfants, des filles, des adolescentes. Selon la partie récurrente, cela pourrait étoffer le document de rapporteur sur la violence armée dans le continent, notamment en ce qui concerne l'enfance. Une fois que cette audience a été convoquée avec suffisamment de préavis, c'est à savoir, selon dispose l'article 64 du règlement de la Commission des droits de l'homme, et afin de tenir la présente audience, l'État d'Haïti s'est préparé selon les modalités prévues par le règlement et la pratique de la Commission, si bien que l'audience aurait eu lieu nous pourrions tenir cette audience de toute façon aujourd'hui. Et puis la partie requérante qui a aussi demandé le report de cette audience pourrait présenter ses arguments et ses faits à une date ultérieure. Monsieur Edwin, je vous donne la parole pendant 20 minutes pour que vous nous expliquiez
ce que vous estimez est pertinent au thème qui nous occupe ici cet après-midi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, je suis Ronald Deauville. Je travaille au niveau du ministère des Affaires sociales en qualité de directeur des affaires juridiques et je fais partie, je suis membre d'une instance qui a été mise sur pied par les autorités gouvernementales. C'est le comité interministériel des droits de la personne. Ce comité est présidé par la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Il faut dire que, d'entre Dieu, l'État haïtien, les autorités haïtiennes, soucieuses de s'accrocher aux prescrits, à la procédure insérée dans les règlements internes de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, se sont arrangés pour se faire représenter à cette audience sur Haïti dans le cadre de la 149e session de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a reçu les correspondances. Le ministère des Affaires étrangères a transmis les correspondances au niveau du ministère des Affaires sociales et nous avons accordé, Monsieur le Président, distingué membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, une attention spéciale. C'est ce qui explique d'ailleurs notre présence ici dans cette salle. C'est une audience qui se tient sur la problématique des droits de l'enfant, selon les correspondances qui nous ont été communiquées au niveau du ministère des Affaires sociales et du Travail. Il faut dire d'entre Dieu que la question des droits de l'enfant constitue l'un des axes prioritaires de la présidence et du gouvernement de la République en général. La présidence conduite par Joseph Michel Martelly, président de la République, et le gouvernement conduit par le Premier ministre, Son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte. Les enfants constituent donc un volet très important, une catégorie très importante pour les autorités haïtiennes. Et aujourd'hui, il y a lieu de dire que les enfants font partie de la politique sociale du gouvernement de la République d'Haïti. Cette politique sociale, c'est l'une des missions du ministère des Affaires sociales. En effet, le ministère des Affaires sociales a pour attribution de définir et aussi d'appliquer la politique sociale du gouvernement de la République. Et à travers cette politique sociale définie et qui doit être appliquée par le ministère des Affaires sociales, suivant bien évidemment les orientations du chef de l'État et du Premier ministre, les enfants constituent donc un axe prioritaire. Il y a des actions qui ont été déjà engagées, notamment en termes de renforcement du cadre juridique en matière de protection des droits de l'enfant. Haïti, comme on le sait, comme vous le savez, Monsieur le Président, honorable membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Haïti est État partie non seulement dans le système onusien de protection des droits de l'homme, mais aussi dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Nous avons donc adopté pas mal de conventions se rapportant à la protection des droits humains en général et à la protection des droits enfants en particulier. Donc nous avons ratifié, on peut citer, entre autres, la Convention 138 sur l'âge minimum. Haïti a ratifié la Convention 182
portant sur les pires formes de travail des enfants. Et tout récemment, Haïti a ratifié un document d'une importance capitale. C'est un document se rapportant à l'adoption internationale. Car comme on le sait, le plus souvent, l'adoption irrégulière, l'adoption illégale entraîne souvent de graves violations des droits de l'enfant. D'un autre côté, au niveau de l'État haïtien, on a renforcé certains mécanismes et certaines structures qui œuvrent dans le domaine des droits de l'enfant. C'est le cas, par exemple, pour l'Institut du bien-être social et de recherche. C'est le cas également pour la Brigade de protection des mineurs, mise sur pied en 2002, mais qui est renforcée quotidiennement. La Brigade de protection des mineurs, on doit le signaler, c'est une unité au niveau de la police nationale d'Haïti qui a pour mission fondamentale de se pencher sur la situation des enfants en situation difficile. Il convient également de mentionner la rénovation du centre d'accueil. Le centre d'accueil, c'est une instance qui est là pour travailler pour la réinsertion et la réadaptation des enfants en situation difficile. Il faut dire que le phénomène des enfants des rues, comme l'a écrit l'organisation pétitionnaire, c'est un problème fondamental. Les autorités haïtiennes admettent que c'est un problème qui suscite et qui doit susciter des préoccupations. Toutefois, il est important aussi de signaler que le phénomène des enfants des rues en Haïti, et comme d'ailleurs dans tout autre pays, eh bien c'est un phénomène pluridimensionnel, avec plusieurs causes, des causes sociales, parfois des causes économiques, et parfois aussi des causes politiques. Les causes économiques, il y a par exemple la situation économique des gens. Cause sociale, on pourrait quand même mentionner l'exode rural. Cause politique, on pourrait mentionner parfois la situation dans laquelle se trouvent les enfants qui très souvent sont utilisés par des individus à des fins politiques. Mais cause aussi sociale, dans la mesure où on peut quand même mentionner la défaillance des structures familiales ou encore la dislocation des structures familiales. C'en est une cause. Et là, permettez-nous de signaler, Monsieur le Président, honorable membre de la Commission, l'irresponsabilité parentale encourage ce que l'on pourrait appeler le phénomène des enfants des rues en Haïti. Très souvent, quand les parents n'assument pas leurs responsabilités et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, eh bien, ça entraîne, bien évidemment, la délinquance juvénile. Donc, nous croyons fermement, pour arriver à résoudre ou encore à freiner ce phénomène qu'est le phénomène des enfants des rues, l'État, certes, a pour responsabilité d'intervenir. La première responsabilité, on l'admet, incombe à l'État. Mais on doit aussi admettre que la société civile, les organisations de la société civile sont aussi comptables, si nous pouvons utiliser cette expression, sont comptables en matière de protection des droits de l'enfant, tout comme la société civile est aussi comptable en matière de protection des droits humains en général. C'est pourquoi, en termes de perspective, actuellement, au niveau du gouvernement de la République, on attend d'abord prioriser l'éducation universelle comme alternative au problème du phénomène des enfants des rues ou tout comme problème au phénomène de la domesticité infantile ou tout autre problème. L'extension du programme d'éducation gratuite
prônée par le chef de l'État en faveur des enfants à travers les 10 départements géographiques, avec l'idée de promouvoir l'éducation universelle comme alternative à la problématique de droits de l'enfant. Comme perspective, on entend mettre sur pied une commission tripartite devant assurer le suivi des conventions 182 et 138, notamment se rapportant au travail, aux pires formes de travail des enfants et aussi à l'âge minimum. Comme perspective, nous devons également signaler la mise en place de stratégies de concert avec différents secteurs et institutions de la vie nationale et internationale dans le cadre de l'application ou du suivi de certains instruments internationaux. Des instruments comme par exemple la Convention sur l'adoption internationale et aussi la Convention des textes se rapportant au trafic et à la traite des enfants. Au niveau de l'État haïtien, on envisage de renforcer les structures des différents parquets de la République et de la Brigade de protection des mineurs, conjointement avec le ministère des Affaires sociales, aux fins de combattre toute forme de violation des droits de l'enfant. On envisage aussi de renforcer les structures du centre d'accueil et aussi d'ouvrir bientôt, ça c'est une information de premier plan, dans les jours à venir, le ministère des Affaires sociales va inaugurer un centre de transit situé à Delma 3, un quartier de Port-au-Prince, de la capitale, et ce centre aura la capacité d'héberger environ près de 800 enfants, des enfants en situation vulnérable, et ces enfants bénéficieront non seulement un appui social, mais aussi un appui psychologique visant leur réinsertion dans la société haïtienne. Le ministère des Affaires sociales, dans le cadre de sa mission consistant à appliquer la politique sociale du gouvernement de la République, entend renforcer et renforce de fait le cadre juridique et les structures en matière de protection sociale des droits de l'enfant, en partenariat avec les organisations de la société civile, en partenariat avec les organismes internationaux impliqués dans ce domaine. Je peux citer, nous pouvons citer à titre d'exemple, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui est un partenaire tout à fait important pour le ministère des Affaires sociales dans le cadre de l'application de sa politique sociale définie par le gouvernement de la République. Le ministère des Affaires sociales entend aussi travailler, renforcer ses relations avec les commissions spéciales, la commission droits de l'enfant au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, conformément à sa mission de promouvoir les droits de l'homme dans le continent américain. Enfin, il faut dire, Monsieur le Président, distingué honorable membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à chaque fois qu'on aborde la problématique des droits de l'enfant, il faut voir que c'est un problème pluridimensionnel, car les causes sont nombreuses. Il n'y a pas que seulement des causes politiques, il y a parfois des causes sociales, il y a parfois des causes économiques. La deuxième chose que l'on peut signaler en termes de conclusion, la problématique des droits de l'enfant nécessite l'intervention de plus d'un, le secteur étatique à travers ses instances, mais aussi le secteur privé qui a un rôle fondamental à jouer. Et l'État a pour obligation de faciliter ce que je pourrais appeler la mise en place des structures
multisectorielle. Et je ne saurais en aucune façon ne pas mentionner, par rapport à la volonté du gouvernement de la République de travailler pour le respect des droits humains, mais aussi pour le respect des droits de l'enfant en particulier, la mise en place depuis mai dernier d'un comité interministériel des droits de la personne. Ce comité interministériel des droits de la personne, qui a été mis sur pied par arrêté présidentiel en mai 2013, est chargé de la coordination et de l'harmonisation des politiques publiques dans le domaine des droits humains afin de garantir sans discrimination aucune la jouissance, le respect et la défense des droits humains et des libertés fondamentales pour tous, conformément à notre Constitution de 1987, conformément aux instruments internationaux à adopter dans le système onusien, mais aussi conformément à la Convention interaméricaine des droits de l'homme dont Haïti est à partie. Ce comité est présidé par la ministre des droits de l'homme et au niveau de ce comité, il y a un représentant, je termine, pour le ministère des Affaires sociales, un représentant pour le ministère de la Justice, un représentant pour le ministère de l'Éducation nationale, un représentant pour le ministère de l'Intérieur, suivant le principe que les droits de l'homme sont indivisibles, les droits de l'homme forment un tout. Nous vous remercions de votre attention, Monsieur le Président, et les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Muchas gracias. Haïti. Je remercie le représentant de l'État haïtien de son intervention et vais donner maintenant la parole à notre rapporteur, Rosa Maria Ortiz. Monsieur le Président, merci. Je remercie Monsieur le représentant de la République d'Haïti d'être venu nous retrouver, nous permettant ce dialogue et permettant un échange d'informations quant à la façon dont Haïti s'organise pour que soient davantage respectés les droits de l'homme, surtout en ce qui concerne les enfants. Je suis rapporteur pour Haïti, je suis rapporteur aussi pour les droits de l'enfant. Je me suis rendu dans votre pays et je me suis mise à la disposition de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dès lors qu'il s'est agi de l'accompagner lorsqu'elle a rendu visite au ministère des Affaires sociales. Et auprès du comité interministériel des droits de l'homme. Pour ce qui est des droits de l'enfant, j'ai conscience qu'Haïti a fait des progrès en ratifiant un certain nombre d'instruments internationaux en la matière. Vous les avez évoqués vous-même. Et j'aimerais savoir si l'on est parvenu à adopter une nouvelle loi en conformité avec cette convention de La Haye qui était en fait à l'étude à la Chambre des députés. Je voudrais également savoir si on envisage en Haïti de rédiger un code de l'enfance qui poserait toutes les dispositions légales à respecter en ce qui concerne les enfants et qui s'inspirerait de ces documents, de ces instruments que vous avez ratifiés, parce que la Convention sur les droits de l'enfant demande que les législations internes reprennent les dispositions de celles-ci, que soient créés des conseils qui représentent les différents intérêts de l'État, ceci pour mettre un terme à ce paternalisme qui existait auparavant concernant les enfants,
pour qu'il soit possible de protéger les enfants avant qu'ils ne se trouvent aux prises avec des difficultés, qui prévoit au premier chef la protection de l'enfance. Il s'agit d'un système qui interviendrait au niveau municipal, au niveau des provinces et au niveau national, pour veiller à la sécurité des enfants au sein de leur communauté en prenant en compte les politiques d'État, bien entendu. Mais tout cela doit faire l'objet d'une loi. Nous sommes censés parler cet après-midi des sévices dont sont victimes les enfants exposés aux bandes armées. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ces bandes armées. Comment se constituent-elles? Quelle est l'origine de ces gangs? Apparemment, les petits, les fillettes, les garçons se trouvent au milieu de ces gangs, lesquels les molestent. Ce qui fait que ces enfants se retrouvent dans un milieu de répression où qu'ils se tournent. Comment faites-vous pour empêcher ces bandes armées de prendre l'ampleur qu'elles menacent de prendre, parce que manifestement, elles sont très présentes. J'aimerais que vous nous expliquiez comment vous affrontez ce problème et comment vous faites en sorte de protéger les enfants et leurs familles, surtout à titre préventif, parce que c'est cela qui compte. Merci. Gracias, relator. La commission. Je vous remercie. La commission va se concerter et notre commissaire va prendre la parole. Présence ici et l'information que vous nous avez portée. J'ai plusieurs petites questions, une question plus grande. Premièrement, vous avez parlé de ce nouveau centre de transit pour les enfants. Comme c'est un centre de transit, combien de temps les enfants peuvent rester là-bas et qu'est-ce qu'il arrive après? Combien de temps il peut être là? Et dans la question de prévention, est-ce que dans ce centre de transit ou autre part, il y a des mesures d'identifier des enfants de la rue et de les réunifier? De faire une réunification avec leur famille. Aussi sur la question de prévention. Je ne sais pas si c'est dans votre cadre ou une autre agence de le gouvernement, mais quelle est la relation avec le gouvernement de la République dominicaine pour éviter qu'il y ait une nouvelle expulsion des enfants vers Haïti dans l'avenir, pour éviter qu'on ait encore plus des enfants de la rue? Et finalement, il y a une référence dans le document que j'ai à la mission des Nations Unies de stabilisation en Haïti. Et nous savons que dans d'autres pays où il y avait des missions des Nations Unies, il y avait des problèmes avec les enfants vulnérables, surtout des filles. Est-ce qu'il y avait des problèmes de cette sorte en Haïti avec la mission des Nations Unies? Merci beaucoup. Gracias, commissaire Shelton. Et yo también le. Merci, commissaire Shelton. Moi aussi, je voudrais demander quelque chose à Monsieur Deauville suite à ce qui a été dit par Madame Ortiz. Chaque fois que l'État a repéré des enfants molestés par les bandes armées, je voudrais savoir si l'État a diligenté une enquête et recherché une solution
afin que soient jugées les personnes qui s'étaient rendues coupables d'actes répréhensibles. Je voudrais savoir aussi si l'État a pensé à la coopération internationale, notamment pour améliorer l'accès pour ces enfants aux droits sociaux, économiques et culturels, droit à la santé, droit à l'alimentation. J'aimerais qu'à l'occasion, vous nous fournissiez une information écrite à ce propos, car cela nous servirait. Et ça serait utile à ceux qui ont demandé cette audience. Et je vous saurais gré de faire parvenir ces informations à notre commission. Merci, monsieur. Je vous accorde 5 minutes. Si vous avez bien sûr besoin de davantage de temps, je pourrais vous accorder 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Un exercice qui n'est pas tout à fait facile. On va essayer de s'arranger. D'abord, par rapport à la loi sur l'adoption, la Convention de l'AE, nous devons préciser que cet instrument international a été adopté par les deux chambres au niveau du Parlement haïtien, et ceci grâce à l'initiative de l'Institut du bien-être social et de recherche, qui est une structure dépendante du ministère des Affaires sociales. Donc, et la Chambre des députés et le Sénat de la République ont ratifié ce document. Maintenant, le reste qu'à faire, c'est en termes de procédure au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que après la ratification d'un document, on doit faire le dépôt, comme vous le savez très bien, Madame la commissaire, par devant les instances internationales. Ceci nous amène à parler de la Convention relative aux droits de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant, c'est un document et traitant les droits des enfants, tous les droits. C'est un document que l'État haïtien a ratifié depuis décembre 1994 et suivant les obligations faites par cet instrument international, eh bien, l'État ayant ratifié ce document devrait en principe fournir un rapport régulier chaque 4 ans. Le rapport initial de l'État haïtien en termes d'application de cette convention remonte, Madame la Commissaire, à 2001. Nous sommes en 2013, ça fait 12 ans. Et les autorités haïtiennes, les autorités actuelles haïtiennes, ont pris l'engagement formel de corriger ce retard. Et actuellement, j'ai le plaisir de vous informer que le rapport est censé fin prêt en termes pour le déposer par devant le comité des droits de l'enfant à Genève. Et on a respecté toute la procédure. Le ministère des Affaires sociales a engagé un consultant qui a fait un premier travail. Le document a été soumis aux autorités concernées, les institutions concernées. Le document a été soumis au comité interministériel des droits de la personne. D'ailleurs, c'est le rapport initial présenté en 2001 qui avait sollicité la création du comité interministériel des droits de la personne. Le comité a été validé ce document. Et vendredi dernier, justement avant mon départ pour venir ici à Washington, le ministère des Affaires sociales a eu une rencontre avec la société civile, les représentants des organisations des droits humains qui ont donné leur avis, leurs recommandations sur ce document. Et c'était la dernière étape à franchir. Le document est censé fin prêt pour le soumettre au ministère des Affaires étrangères d'Haïti et qui fera le suivi sur le plan international. Il faut dire également que par rapport au Code de l'enfant, depuis 1998, si j'ai bonne mémoire, depuis 1998,
le ministère des Affaires sociales avait engagé un consultant pour travailler sur le code de l'enfant, avec bien évidemment l'appui de l'UNICEF. Il y a un premier document qui est disponible. Ce document devrait être validé, mais malheureusement, ceci n'a pas été fait. Et tout récemment, le ministre des Affaires sociales, au cours d'une rencontre qu'il a eue avec l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme et aussi le représentant résident en Haïti de l'UNICEF, a pris l'engagement formel d'engager un nouveau consultant pour finaliser, pour reprendre ce document, ce projet de code de l'enfant. Et on va respecter encore les mêmes procédures, sollicitations au niveau du comité interministériel des droits de la personne et recommandations au niveau de la société civile pour qu'on puisse véritablement avoir finalement un code de l'enfant qui prendra en compte non seulement les droits de l'enfant, mais un code de l'enfant qui sera en harmonie, bien évidemment, avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Et là, on va beaucoup mettre l'accent sur le renforcement des structures familiales et aussi sur le renforcement de la paternité responsable. En ce qui concerne la paternité responsable, il y a lieu de dire également que grâce à l'initiative du ministère de la Condition féminine, eh bien, l'État haïtien a déjà adopté une loi sur la paternité responsable. Ce texte est déjà voté par les deux chambres. Il nous reste que la promulgation dans le Moniteur, le journal officiel de la République. Le centre de transit sera inauguré dans les prochains jours. Je n'ai pas de date en tête. Je ne peux pas fixer de date, mais je sais que tout est censé faire prêt. Et c'est un centre qui aura la capacité d'héberger environ près de 800 enfants qui recevront un appui social, un appui psychologique. Mais il faut dire qu'actuellement, le centre, pour le présent moment, est dirigé par quelqu'un, par des responsables travaillant au niveau du ministère des Affaires sociales. Et ils ont un mandat de 2 mois. Cependant, après 2 mois, le ministère des Affaires sociales va lancer un appel d'offres pour arriver à sélectionner des personnes qui auront la charge de l'administration du centre. Donc, en clair, le centre ne sera pas administré par des autorités étatiques proprement dites, mais le centre sera administré par des personnalités travaillant dans le domaine des droits de l'enfant, mais certainement, le ministère interviendra en aide en termes d'appui social, d'appui économique, d'appui financier. Donc, tout ceci, et les actuels dirigeants de ce centre, ils ont seulement un délai de 2 mois, mais on fera le transfert à des institutions privées évoluant dans le domaine des droits de l'enfant. Pour les bandes armées, on doit dire que ce qui pose problème encore en Haïti, eh bien, c'est l'utilisation des armes illégales. Et là, la police nationale d'Haïti et au niveau de la secrétaire d'État chargée de la sécurité publique, eh bien, on essaie, dans la mesure du possible, d'intervenir pour freiner ce phénomène. Et le plus souvent, comme on le sait, quand par exemple il y a une circulation d'armes illégales, eh bien, le plus souvent, les enfants en font les frais, en paient les frais. Donc actuellement, au niveau de la secrétaire d'État de la sécurité publique, les dispositions sont prises, non seulement pour freiner ce phénomène, mais également la secrétaire d'État chargée de la sécurité publique travaille de concert avec le parquet. Au niveau du parquet, il y a un service 24 heures sur 24, le service s'occupant de la protection des femmes et des enfants. Et au niveau de l'Institut du bien-être social et de recherche, il y a aussi un service 133 qui est là pour intervenir quand les enfants sont en danger. Et au niveau de la brigade de protection des mineurs, eh bien, ce service est présent. Donc, il faut dire que en termes de protection des enfants,
l'intervention se fait non seulement en amont par des politiques préventives, mais aussi l'intervention se fait en aval par des politiques répressives, parce que ceux qui sont auteurs ou bien responsables d'actes répréhensibles par rapport aux droits de l'enfant, eh bien, ne sont pas restés impunis. Pour la MINUSTA, problème des enfants, encore bandes armées et enquête suivie, et aussi la République dominicaine, je crois que demain, il y aura un débat, une rencontre qui va se faire sur la question de la République dominicaine et de la République d'Haïti. Je ne peux pas intervenir, je ne peux pas donner trop d'informations, mais quand même, c'est un sujet de préoccupation pour les autorités haïtiennes. Et l'UNICEF, qui est présent en Haïti, a mis en place aussi des mécanismes sur le territoire dominicain pour voir dans quelle mesure on pourrait quand même, dans la mesure du possible, diminuer les cas de violation des droits de l'enfant. Et en termes d'enquête au niveau de la MINUSTA, le ministère des Affaires étrangères se penche sur la question et le comité interministériel des droits de la personne se penche aussi sur la question, parce qu'au niveau du comité interministériel des droits de la personne, il y a un représentant du ministère des Affaires étrangères qui est là pour se pencher, pour voir dans quelle mesure on peut quand même activer les relations haïtiano-dominicaines en termes de protection des droits des Haïtiens et en particulier des droits des enfants. Merci beaucoup. Gracias. Je vous remercie, monsieur, de ces réponses. Et je vais donner de nouveau la parole à notre rapporteur, Rosa Maria Ortiz. Je voudrais vous demander, monsieur, si par la suite vous pourriez nous fournir davantage de renseignements concernant ce centre de transit pour 800 enfants, parce que cela nous inquiète. Après tout, dans la région, il y a une campagne pour réduire le nombre qui fréquenteront cette institution. Or, créer un centre pour 800 enfants, choc. Je crois que ce serait bon que de continuer dans ce dialogue, que vous puissiez nous expliquer s'il s'agit de quelque chose de ponctuel ou si c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Parce qu'accueillir 800 enfants, il y a un livre qui va être traduit en français, qui mettrait fin à ces institutions qui accueillent les enfants et qui met l'accent sur l'enfant au sein de sa famille. Il y a des recommandations qui ont été faites à cet égard et j'aimerais que l'on continue à en parler. Merci, Madame le rapporteur. Nous réitérons nos remerciements aux représentants de l'État d'Haïti qui est venu nous retrouver pour son intervention auprès de notre commission, laquelle continuera de suivre l'évolution des choses, la sécurité en Haïti et les droits des enfants. Et tout enseignement complémentaire que vous pourrez nous proposer sera utile. Je vous remercie, monsieur. Different ministries, education, social affairs, justice, gender equality minister, so all of that under the auspices of the ministry in charge of human rights. The institution responsible for that was created in 2011.
l'histoire nationale. Le ministère chargé des droits de l'homme. That's the first time that we have a ministry for human rights and to fight extreme poverty. So I'm very pleased to be able to present to you this document that this the objectives that the Interagency Committee for Human Rights has. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, distinguished commissioners.